Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Rares sont les personnes qui doivent connaître ce recueil, n'est-ce pas? Et donc, de ce fait, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour en parler. Et croyez-moi, c'est très enrichissant, parce que par moments, moi-même, j'apprenais quelques trucs. Je connaissais déjà ce recueil depuis longtemps, je n'avais jamais pensé en faire une vidéo, malheureusement. Mais ceci étant dit, je suis bien contente de le faire maintenant parce que ça reste quand même lié à One Piece. Hein. Vous allez comprendre. On ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Wanted est un one-shot qui se présente comme un recueil de 5 histoires courtes. Ce sont les premiers travaux d'Eiichiro Oda dans lesquels l'auteur y étudie plusieurs pistes scénaristiques. Vous l'avez compris, je vais donc vous parler de ces 5 récits, un par un, et y évoquer quelques petites choses supplémentaires très intéressantes. Nous n'allons donc pas perdre un instant, et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Commençons avec le premier récit, Wanted. Publié en 1992, Wanted se déroule à l'époque de la conquête de l'Ouest. Gil Bastard, le héros, à la suite d'un ensemble de quiproquos, a vu sa tête mise à prix et finit traqué par des chasseurs de primes. La récompense pour sa mort augmente après chacune de ses victoires contre ces derniers. Hanté par Wild Joe, un chasseur de primes qu'il a précédemment tué, Gil va être forcé par ce dernier à provoquer en duel Shino Phoenix, un tueur engagé pour le tuer. En soi, ça se finit plutôt bien puisque c'est ce fameux Shino Phoenix qui se fait déglinguer. Enfin, bon. Saviez-vous que Gil et White Joe ont fait une apparition à la fin du premier film One Piece sorti en 2000? Ils peuvent être vus à droite de l'écran lorsque l'artwork western de l'équipage de Luffy défile. Ensuite, est-ce que vous saviez que la vie de recherche de White Joe pouvait être, entre autres, vue sur le navire de Full Body et au début du 9e film de One Piece, sa prime étant de 2 millions de berries. On peut aussi voir un autre avis de recherche, l'avis de recherche de Ena Oyag. En gros, on voit cet avis de recherche affiché à côté de celle de Gil. Mais dans One Piece, on voit sa prime autre part. On la voit également sur le navire de Full Body avec celle de nombreux autres pirates tels que Arlong ou donc Krieg. C'est quand même très intéressant et si vous regardez ces deux films One Piece en question, donc le premier film et le film 9, vous risquez d'être surpris et en plus de ça, ce n'est pas la seule fois que je vais évoquer le 9e film. Deuxième récit, Un présent divin. Publié en 1993, ce récit met en scène Bran, un jeune pickpocket souhaitant se racheter. Mais malheureusement pour lui, il vole sans y penser. Excédé par ce comportement, Dieu décide qu'il est temps d'arrêter ses méfaits et écrit dans le carnet du destin, je cite, qu'une météorite s'écrasera chez Bran en fin de journée en pensant à la maison du héros naturellement. Hélas,
Chebran est aussi le nom d'un grand magasin très fréquenté et, ayant perdu la gomme du destin, il ne peut plus annuler l'événement. Dieu décide alors de proposer à Bran de sauver les clients en échange de sa rédemption. Ça se finit très bien, bien évidemment, mais dans l'histoire, un chasse naturel y revient au galop. Ouais, Bran continue de voler. Vous avez forcément remarqué sa ressemblance avec Zoro d'ailleurs. D'ailleurs, note supplémentaire, est-ce que vous connaissez Domo-kun et Enki-kun ? Je sais pas si je les prononce bien, mais bref. Eh bien, il s'agit des tout premiers personnages de SBS créés par Oda. Ce sont deux étrangers, deux extraterrestres, envisageant de conquérir la Terre. Figurez-vous qu'ils sont d'abord apparus dans cette histoire. De plus, Domo-kun peut être vu dans le chapitre 9 aux côtés des pirates de Baggy et Enki-kun, lui, est apparu aux côtés de Pandaman sur la couverture du tome 52. D'ailleurs, à noter qu'un des événements que Dieu a écrit dans Un présent divin évoque l'apparition et le crash d'un ovni. Cela expliquerait peut-être comment ils se sont retrouvés sur Terre. Pour ma part, j'avoue que j'avais zappé ces personnages. Évidemment, en tant que fan de One Piece, j'avais connaissance de leur existence, mais voilà quoi, je les avais zappés. Enfin bon. Troisième récit, le démon solitaire. Paru au printemps 1994, cette histoire se centre sur Gouko, un bonze peureux, effrayé par un monstre. Gouko se rend dans un village où les habitants l'obligent à chasser ce dit monstre. Par la suite, le jeune bonze fait la rencontre d'un homme avec un masque de démon qui se révèle être une divinité. Alors qu'ils parlèrent, le monstre Itoku surgit. Ce dernier portait les vêtements de Koshin, ami de la divinité, et maître de Gouko. Et comme vous l'avez sûrement compris, oui, il l'a bouffé. Car Itoku égale cannibale. C'est dégueulasse. Le personnage est dégueulasse aussi en soi. À la fin, tout se termine bien, bien évidemment, hein, puisque Gouko tue le monstre. D'ailleurs, ce monstre, les amis, tout comme plusieurs personnages non canons, tels que Wild Joe, a fait de nombreux caméos dans l'animé, à travers une série d'avis de recherche qui sont apparus dans l'épisode 45. Alors que sa prime est illisible dans la plupart des caméos, le 9e film la place à 1 500 000 berries. Quatrième et avant-dernier récit, Monsters. Paru en automne 1994, ce récit met en avant Ryuma, un personnage que nous connaissons très bien. Ryuma, jeune samouraï, est sur le point de mourir de faim quand une jeune serveuse nommée Fla lui donne à manger. À ce moment-là, Cyrano, l'homme qui a auparavant sauvé une ville d'un dragon, ainsi que Fla lorsqu'elle était enfant, se trouve exactement au même endroit et provoque Ryuma sans le vouloir en touchant son sabre. Un duel s'engage ensuite entre les deux hommes, mais est interrompu par Flar. Bien plus tard, Ryuma croise un passant qui le provoque à son tour. Cette espèce de malade s'est poignardé lui-même tout en accusant Ryuma de l'avoir blessé. Ensuite, le gars détruit une corne de dragon, ce qui entraîne l'apparition d'un grand dragon destructeur. Ryuma s'est ensuite rendu compte que ce passant, nommé Dihir, n'est nul autre que le complice de Cyrano, qui utilise le dragon pour voler les richesses des différentes villes.
Le samouraï décida alors de venger Flar, qui servait de prestige à Cyrano, sans compter que ce dernier a tué son père. Et du coup, évidemment, Cyrano et son pote ont passé un sale quart d'heure, et après, c'est au tour du dragon que Ryuma a réussi à tuer. Ouais, vous connaissez cette histoire via One Piece, hein? Et c'est pour ça que c'est le seul récit à être lié, à être canon, à l'univers de One Piece. Si vous avez de la culture, vous avez compris que le personnage de Cyrano est très clairement basé sur Cyrano de Bergerac, noble français, romancier, dramaturge, duelliste et personnage principal de la pièce du même nom. Ouais, ben là, le Cyrano là dans Monsters, c'est vraiment une raclure, hein. Ensuite, l'avis de recherche de Dihir peut être vu dans l'épisode 45 dans l'animé sur le mur du bateau de Full Body. Il peut être aussi vu dans l'épisode 48 où elle est barrée. Et évidemment, autre info et pas des moindres, si vous n'êtes pas au courant, mais je l'ai déjà évoqué, on va avoir une adaptation animée de Monsters. Ça a été annoncé lors du One Piece Day, les amis, et je vous raconte pas comment j'ai trop hâte. Ah, et puis Ryuma, quoi. Ryuma, il impose la classe, quoi. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Et il est déjà temps de passer au dernier récit, Romance Dawn. Il existe deux versions à Romance Dawn, sorties en 1996, soit un an avant la sortie de One Piece. La deuxième version correspondant au cinquième et dernier récit du recueil Wanted. Romance Dawn est l'histoire de Luffy, un jeune pirate à l'étrange pouvoir. Il croisa un bateau pirate où une jeune femme nommée Anne était prisonnière. Après s'être moqué du capitaine du navire, Luffy finit par être enfermé avec elle. Ensuite, tous les deux finissent par sortir et Anne voulut libérer son oiseau, Balloon, mais s'est fait tirer dessus. Le capitaine de l'équipage, Spiel, prit l'oiseau pour son sang et partit avec lui. Naturellement, Luffy s'en mêla, retrouva Spiel et le vainquit, l'oiseau pouvant retourner auprès de Anne. Tout est bien qui finit bien. Il s'agit là d'une piste scénaristique, mais Oda a évidemment opté pour le thème des pirates et pour le personnage de Luffy. Anne, c'est littéralement mon ami, évidemment. Et puis, laissez-moi vous rappeler qu'il existe une adaptation animée sortie en 2019. C'était sympa, bien évidemment. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Je ne sais plus trop c'est l'épisode combien. Normalement, je l'ai mis juste là. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir. Ça reste intéressant, même si évidemment, on a toujours Luffy et tout. Mais bon, voilà. Ça reste un tantinet différent. Par exemple, là-dedans, eh ben, Garp est un pirate. Ouais. C'est un pirate et c'est lui qui avait le chapeau de paille. Et voilà, il a des choses intéressantes. Et puis par contre, il n'a jamais été expliqué pourquoi Spiel avait besoin du sang de l'oiseau Balloon ou à quoi ça lui aurait servi. Ça n'a pas été expliqué dans le manga et je crois que ça n'a pas été expliqué dans l'adaptation animée. Il me semble, je suis pas sûre. Et d'ailleurs, pour ce qui est de Spiel, eh ben, son visage il peut être vu sur un avis de recherche pendant quelques épisodes et dans le 9e film. Bon, l'écriture de son nom est différente, mais ça reste la même tête de con. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce petit recueil d'histoires. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça serait vraiment cool qu'un jour on ait une adaptation animée pour les trois autres récits. Parce que oui, évidemment, on en a eu une pour Romance Dawn, on va en avoir une pour Monsters. Mais ce serait très intéressant d'en avoir pour les trois autres. Ça me plairait bien. Et vous les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos retours avec grande impatience.
Il est déjà temps pour moi, les amis, de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un petit commentaire en me donnant votre avis sur ce que vous avez appris aujourd'hui dans ce récit, ce que vous en pensez. Puis, vous pouvez l'acheter, hein, c'est Glénat en a fait la trad, évidemment. Et si vous voulez en savoir plus, et ben voilà, n'hésitez pas à faire davantage de recherches. Mais grosso modo, je vous ai expliqué l'essentiel. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment comme d'habitude dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!